Excellencies, esteemed intellectuals, dear participants, what a fascinating day. I'm really overwhelmed because I'm very happy that we got here at the end of this such dense and interesting day and conference. All the ambassadors, experts, students, young people, they made their voices heard, and we were very honored to listen to all those who were on stage. As the saying goes, not only heroes wear capes. Some of them simply wear an academic hat, encompassing their duty towards future generations and a portfolio full of documentary resources. So, let's have a round of applause for absolutely everybody who was involved here. I would add even encores for another occasion. I really hope that this conference was just the kickoff of a process. Now I have the pretty delicate task to present to you a summary of the rich discussions and recommendations made during the day. And my team made an absolutely fantastic, they did a fantastic job, because actually I was expecting a summary, but there are a lot of things that came out of this discussion, and I compliment them for managing to do this. So, first of all, among the numerous meaningful recommendations expressed here, I will highlight a few. Archives are accelerators of the education for peace, human rights, and sustainable development. Archives are vital in constructing new imaginaries of the international cooperation. As Professor Dudal beautifully said, archives include the do's and the don'ts of the past. And we should also use the archives to write the history of peace, not the history of war. More collaborations between researchers and archivists should be encouraged. In fact, I understand that a very concrete initiative emerged already during this conference, a potential collaboration between the universities in Aalborg, Denmark, and Barcelona, Spain, with the UNESCO archives. That's great, a first concrete result. UNESCO should develop an ambitious digitization program for peace archives in the Global South, with a focus on training, on the adoption of international standards, and on the creation of knowledge-sharing networks. These initiatives will not only help to preserve an invaluable documentary heritage, but also strengthen peace and mutual understanding among peoples. It was also proposed that member states should support the implementation of the Universal Declaration for Archives, adopted in November 2011 during the 36th session of the General Conference of UNESCO, and, above all, that they implement concrete actions, including events within international organizations, such as this. UNESCO could think about making the International Archives Day on June 9th an official UNESCO day. UNESCO could also develop a program on archives and human rights. A special focus would address the archives of the Committees of Truth and Reconciliation commissions in the world, already existent, to ensure the right to know and to discourage the repetition of violences. It is fundamental to integrate the archives in the educational process, especially in primary and secondary education, and to empower youth to initiate collective reflection processes. Creating a normative framework for the digitalization of archives on a global scale is a very important subject that we must address. Digitization should not be limited to making content accessible in a digitized format, but should also take into account new methods of access to information, and of course, the UNESCO recommendation on the ethics of AI should guide us in this reflection. We must also prepare archivists and documentarists to exploit solid perspectives for archives in the face of new emerging technologies and help them enrich the oral and cultural memory, the quintessence of our societies. Another important proposal was to foster a global approach to knowledge sharing and co-production, a paradigm in which the intellectual heritage of each region, including local languages and local knowledge,
should have a key role to play. We need to foster global forums for advancing local knowledge, developing global creative forums which empower the oral, documentary, and artistic memory our archives deposit, and creating new normative frameworks for digital humanities. Chers participants, permettez-moi de rappeler quelques autres idées clés innovantes vers de nouvelles voies pour la coopération intellectuelle. Comme vous voyez, c'est une richesse d'idées et de suggestions. J'en résume quelques-unes. La diplomatie scientifique est un outil puissant dans le paysage sociétal actuel des crises, défis et transformations successives. L'autonomisation des femmes et des jeunes voix dans les sciences est un enjeu clé auquel nous devons nous consacrer. Les chaires UNESCO peuvent jouer un rôle unique, étant des institutions qui peuvent avoir un impact marquant en promouvant des études interdisciplinaires et une culture de la paix et de la compréhension mutuelle. Les écoles associées de l'UNESCO sont elles aussi un réseau puissant de l'UNESCO pour la promotion de l'éducation à la mémoire et l'histoire. Une autre idée, nous devons élaborer un concept de plateforme de coproduction des connaissances, notamment via des moyens en ligne, afin d'élargir les lieux de la science participative dirigée par les citoyens et souligner le rôle d'une éducation cognitive et interdisciplinaire. Étant donné les transformations numériques très rapides auxquelles nous sommes confrontés, il faut identifier des niches en créant des normes et modèles qui correspondent aux besoins régionaux et utiliser les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle pour sauvegarder notre patrimoine commun. UNESCO devrait créer un forum de haut niveau des intellectuels, High Level Forum of Intellectual Leaders, en incluant non seulement des universitaires et chercheurs, mais aussi des intellectuels avec une autorité morale pour discuter des thématiques cruciales comme par exemple « Why war ?»« Pourquoi la guerre ?» qui est comme un petit leitmotiv de notre conférence. Les institutions devrait soutenir davantage le travail interdisciplinaire, multidisciplinaire et transdisciplinaire, ainsi que la science ouverte pour accompagner la transformation sociale. L'hyperconnectivité a créé aux différents niveaux de la société un effet de polarisation. L'UNESCO devrait créer des chartes de normes pour la coopération intellectuelle, les bonnes manières de communiquer. UNESCO a une énorme réputation intellectuelle qui pourrait avoir un énorme impact en tant que guide pour diffuser l'information en ligne. Il serait très utile de créer une base de données pour les chercheurs afin de les guider à trouver l'information. Nos commissions nationales jouent un rôle clé dans le dialogue pour l'avenir. Nous devons donc renforcer leur position en tant qu'incubateurs dans les efforts de réflexion stratégique et leur statut dans la poursuite de la coopération intellectuelle. De plus, nous devons promouvoir l'opportunité pour nos commissions nationales de s'engager dans des dialogues régionaux sur des sujets d'importance centrale. En amplifiant ces formes de coopération intellectuelle, nous amplifions la paix et le développement durable dans le paysage international. Donc, mesdames et messieurs, la coopération intellectuelle est en effet notre outil le plus précieux alors que nous nous consacrons à la construction de nouveaux horizons pour l'humanité. Tandis que des crises sans précédent visent nos sociétés et cherchent à les redéfinir à leurs racines mêmes, notre devoir de repenser les paradigmes sociétaux et de promouvoir un développement durable devient plus urgent que jamais. Encore une fois, à l'UNESCO, cet exceptionnel carrefour d'idées pour un monde plus prospère, durable et pacifique, nous avons accompli notre devoir. Et, je vous l'ai dit, notre parcours ne fait que commencer, ensemble. Les interventions et moments spéciaux d'aujourd'hui étaient véritablement uniques. Nos orateurs, panélistes et représentants des délégations permanentes qui ont animé la scène aujourd'hui
avec des perspectives authentiques et des expériences remarquables, méritent notre plus haute considération. Offrons-leur une grande salve d'applaudissements également, et c'est à nous, délégués permanents, de porter ces idées et nous assurer qu'elles seront mises en pratique. Merci. Je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude à mon équipe. L'aide du secrétariat, de nos partenaires, a été inestimable. Je ne saurais exprimer à quel point je suis reconnaissante de les avoir à mes côtés. Une chaleureuse salve d'applaudissements, s'il vous plaît, aussi pour eux. Je suis très émue parce qu'on a travaillé tellement dans les derniers mois, mais j'étais toujours sûre que ce sera bien parce que j'ai eu auprès de moi une équipe et des partenaires absolument fantastiques. Je suis très reconnaissante. Les délégations permanentes de France, de Monaco, du Japon et de Roumanie ont joué un rôle clé dans cette quête. Je vous suis reconnaissante pour votre soutien et de plus, nos partenaires exceptionnels de Roumanie, l'Association culturelle Héritage pour le futur et l'Université Polytechnica de Bucarest méritent toute notre appréciation pour leur contribution également. Merci. Et maintenant, oui, merci, merci. Je n'ai pas daigné parce que le temps, je sais, est très, très avancé. Comme l'a si bien affirmé le célèbre intellectuel Bertrand Russell, la seule chose qui sauvera l'humanité, c'est la coopération. Aujourd'hui, mes chers invités, partenaires, orateurs et panélistes, vous n'avez pas seulement honoré cette affirmation pleine de sens. Vous avez véritablement rendu possible notre quête permanente pour accomplir cette vocation. Alors, applaudissons une dernière fois tous ceux qui ont contribué à cet événement inoubliable. Merci infiniment. Mulțumesc.